Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le Power Wagon pour montrer un petit peu quelques modifications, enfin de mise à niveau avec quelques pièces que j'ai prises chez AliExpress. Je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord, le Power Wagon FCX24, le petit crawler. Bon, bah là, il est en petits morceaux sur l'établi. Alors, je viens d'installer déjà toute la tringlerie en pièces alu. Donc, je vous montre un petit peu. Hop. Donc, tous les tirants arrière, avant, ceux du cerveau. Voilà. Donc, ça, c'était une première mise à niveau. Ensuite, donc les amortisseurs alu. Donc ceux d'origine, ils sont ici, c'est les amortisseurs plastiques. Ceux-là. Donc là, je les ai passés en alu, pareil, hein, c'est des pièces chez AliExpress. Alors là, pour l'instant, ça fait. Il me semble un peu plus dur qu'ils étaient. Alors en fait, ce que j'ai fait, moi, j'ai tout simplement les ressorts. J'ai coupé un peu les ressorts pour enlever un petit peu de force sur le ressort. Donc c'est pas plus mal, c'est un petit peu mieux. Voilà. Par contre, ils rebondissent beaucoup moins que ceux d'origine en plastique. Bon, c'est à essayer, bien sûr, tous ces petits trucs. Et donc, troisième petite chose là que je suis en train de monter, c'est mettre des poids de roue. Donc là, j'avais commencé sur une. On le voit là derrière. Hop, je le montre. Hop, voilà, ouais, comme ça, la roue est enlevée. Donc en fait, c'est tout simplement un poids qu'on rajoute sur le portique, sur le pont de roue. Et donc comme ça, il y a des petits poids en laiton qui vont donner un petit peu de poids à essayer. Voilà, bien sûr. Tout ça, c'est à essayer. Et ensuite, j'ai aussi donc les protections. Hop, on voit pas dans le sachet. Protection ici, là. Protection des ponts dessous pour protéger ici, là où il y a le moteur, et ici. Voilà. Donc eh ben, je vais finir un petit peu de tout faire toutes ces installations, et puis je vous montrerai le résultat final après. Voilà, on se retrouve tout de suite. Et voici donc le travail est terminé. Donc je vous remontre un petit peu tout. Donc tout ce qui est au niveau des tirants, tringlerie, donc de chaque côté, dessous, plus celle du cerveau. Ça c'est vraiment conforme au modèle de base. Hein, il n'y a pas de, j'ai pas eu de soucis particuliers pour monter. Juste au niveau des vis, là on est en tête cruciforme par contre. Mais bon, sur ce genre de véhicule, ça ne me pose pas de soucis. Alors je vous disais les protections pour les ponts. Voilà, donc c'est classe, hein, ça fait un beau petit travail. Donc c'est des pièces à visser. Et en fait, elles sont thermopliées. Enfin, je ne sais pas si on en dit comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont plates à l'origine. Vous les vissez et après vous avez juste à appuyer pour leur donner la forme. Là, une forme un peu galvée, là, avec le un peu arrondi. Sur les bords, on voit. Donc ça, c'est un petit truc sympa. Puis ça va protéger un petit peu. Alors ensuite, bah, les poids de roue. Hein, donc j'ai mis les quatre. Donc c'est des poids en laiton hein, qui vont donc redonner du poids. C'est assez simple à monter aussi. Hein. Ça se remonte en fait dessus le cache du pont de roue. Faut juste changer les vis qui sont fournies avec pour mettre des vis un tout petit peu plus longs. Ça donc mine de rien
On sent que ça lui a donné du poids. Donc ça, je pense que ça serait que positif, ce niveau-là. Voilà. Et puis donc, je vous disais, les amortisseurs, donc j'ai changé les amortisseurs avec des amortisseurs alu. Par contre, voilà, je trouve ils rebondissent moins, ça c'est sûr qu'ils rebondissent moins que ceux d'origine, mais je les trouve très durs. Alors ce que j'ai fait pour l'instant, c'est à l'avant, j'ai coupé un petit peu les ressorts pour qu'il y ait moins de force sur le ressort. Je vais tester comme ça. Alors moi je le sens, hein, devant c'est un petit peu plus souple que derrière, c'est plus dur derrière. Donc peut-être la solution elle est ici. Ou alors peut-être après trouver des ressorts qui soient vraiment plus souples. Alors, j'ai essayé de mettre de l'huile dedans. J'avais mis de la 100 CST, le minimum. Mais j'ai l'impression que ça fuit, donc qu'on ne peut pas vraiment mettre d'huile. Alors ce que j'ai fait, ceux de derrière, j'ai essayé en mettant de la graisse, une toute petite noix de graisse. Comme ça, bon, ça les lubrifie quand même un petit peu, ce qui est pas mal. Bon, après, les amortisseurs, comme je vous dis, va falloir essayer. Voilà. Donc, les petites modifications. Maintenant, je vais essayer tout ça. Je vous referai un petit commentaire sur l'essayage. Voilà, merci beaucoup. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker.